Salut les amis de la glisse électrique, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade en giron-roue dans l'arrière-pays irlandais. On va partir d'Arboras pour aller gravir le col du vent qui culmine à quelques 700 mètres, voire un petit peu moins, c'est pas excessivement impressionnant, mais c'est la porte d'entrée vers le pays aveyronnais et donc vers des paysages tout à fait atypiques et très sympathiques que j'affectionne beaucoup, qui va nous faire de belles images et une très belle balade. Allez, on est parti! Allez, ça grimpe tranquillement, j'y vais tout cool, histoire de pas crever la batterie tout de suite, parce qu'il y a pas mal de trajets derrière. Mais ce qui va être sympa, c'est qu'on va le refaire en descendant dans l'autre sens, donc les derniers kilomètres vont pas coûter bien cher sur la batterie, et ça, c'est plutôt cool. Un cycliste dans la descente. Ça, c'est le point de vue, donc. Eh ben, parfait. Alors on va aller point de vue. Et ben voilà, ça y est, on est en haut. Bonjour. À partir de là, ça va commencer à redescendre un petit peu, mais pas beaucoup, puisqu'on reste sur ce fameux plateau. Et ben voilà, hein, comme on pouvait s'y attendre, il y a un peu plus de vent, donc j'ai mis une petite couche supplémentaire, histoire de ne pas me voler les miches. Et voilà les amis, ça descend, on peut y aller tout rapidement et en plus ça régénère la batterie ici, ça c'est pas génial. Rien à foutre de moi.
C'est parti pour les 3 derniers kilomètres de montée, après quoi on terminera avec 3 kilomètres de descente. Bien sur les derniers 100 mètres là. Et ben voilà, ça y est, plus qu'à descendre. Et voilà les amis, on l'a fait, 5 km de descente et ça aura rechargé la batterie d'à peu près 5%. Comme quoi, le freinage régénératif, ça marche plutôt pas mal du tout. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et en attendant, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Allez, à plus, ciao !